Nous explorerons les cimetières de la mer où dorment les navires engloutis. Et les trésors de la connaissance valent bien l'or des épaves. Chaque fois que nous plongeons, que nous pénétrons dans la mer, nous apprenons quelque chose de nouveau. Jamais nous n'avons été aussi bien équipés pour observer, pour apprendre. Notre enquête nous mènera à affronter les dangers et à révéler les splendeurs de la mer. Avant que leur culture ne s'effondre au Xe siècle, les Mayas étaient de remarquables architectes. Ils ont construit de grandes pyramides, comme le temple de Chichen Itza. 10 siècles plus tard, nous amorçons notre descente au large de l'île, rangée de récifs, pour filmer le monde sous-marin du Yucatan. Les requins ont la réputation d'être des fauves redoutables. Et c'est loin d'être toujours vrai. Il existe des requins des sables, des roussettes, des requins nourrices ou léopards, parfaitement inoffensifs. Mais une morsure de requin de plein eau, qu'elle soit accidentelle ou le résultat d'une attaque, est toujours grave, parfois mortelle. Voici une très vieille tortue de mer couverte de bernacles. Pour Bernard, c'est peut-être la dernière occasion de nager avec l'une de ces tortues appelées à disparaître bientôt. La tortue est capable d'effectuer une navigation très précise au cours de ses longues migrations vers les plages où elle va pondre. En revanche, à terre, c'est une victime maladroite et sans défense. Bien que les tortues soient théoriquement protégées dans certaines régions, elles sont encore chassées sans merci pour leur chair ou tuées indistinctement par de prétendus sportifs lorsqu'elles parcourent les mers. Une autre équipe de plongée inspecte les carcasses des navires qui ont trouvé leur fin dans les Caraïbes. Depuis l'époque de la flotte de l'or espagnole, qui était la proie des pirates, jusqu'au bateau de notre temps, des milliers de navires ont été engloutis par les cyclones. Les vaisseaux fantômes encroûtés d'éponges, de bernacles et de corail sont devenus des refuges pour les petits poissons et les raies à aiguillons. Ce sont des poissons grogneurs blancs, ainsi nommés à cause de la tache claire qui orne le dessus de leur corps et du grognement qu'ils émettent en faisant grincer leurs dents. S'agit-il d'un rassemblement nuptial? Bien qu'ils ne soient évidemment pas en train de frayer, les grogneurs pourraient être motivés à nager ensemble pendant toute l'année afin d'être certains de trouver des partenaires quand vient la saison des amours. Nous avons toujours tendance à porter sur les animaux des jugements simplistes. Ou bien nous leur attribuons nos propres sentiments, ou bien nous les sous-estimons en ne leur prêtant que des comportements élémentaires. Non seulement les animaux ont des sens souvent plus nombreux et parfois plus complexes que les nôtres, mais encore chacun d'eux a sa propre personnalité qu'il nous est bien difficile de discerner. De telles rencontres ne font qu'attiser notre curiosité pour la mer et pour ses mystères.